Hey, bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans la zone jeu de société. Hey, merci beaucoup d'être là dans votre journée pour regarder cette vidéo de la présentation d'une partie du jeu Invention, donc Invention, de notre ami Vital Lacerda. Donc, euh, j'ai comm... fait l'épisode 0, j'espère que vous l'avez regardé. Si vous ne l'avez pas regardé, euh, ben, en tout cas, j'ai fait la mise en place et on a déjà commencé, dans le fond, la première ronde, l'ère de 1 la, de la, partie. Et là, on est, on est prêt officiellement, euh, à commencer. <laughs> Quand je dis qu'on est prêt officiellement à commencer, j'espère offrir une bonne, une bonne prestation. Parce que pour l'instant, je suis pas sûr. Puis, je suis même pas sûr d'avoir fait des bonnes choses. Mais, en tout cas, on va essayer. De faire, de faire du mieux, euh, mieux qu'on peut. Bon, là, euh, donc là, on est, euh, on est rendu dans l'air 2, comme, comme notre ami ici qui est là, notre ami Kronos, euh, qui est présent. Alors, c'est encore Kronos qui va commencer. Alors, Kronos, lui, va aller faire un petit tour, euh, comme d'habitude, lui, il va toujours se déplacer dans, le proche dans la prochaine région. Et là, il va faire, en suivant toujours le même ordre, il va commencer par, est-ce qu'il peut présenter une idée? Ben oui, parce que... Il n'y a pas, pas d'idée là. Donc, ce qu'il va faire, lui, c'est qu'il va aller chercher l'idée qui est la plus à droite sur le plateau qui est là. OK? Et d'ailleurs, il, il y a un petit symbole dessus pour montrer euh, l'aspect un peu spécial. Et donc, il va placer cette idée-là, ici, euh, dans ce lieu-là, toujours, toujours en plaçant. Donc, un nombre de spécialistes, lui, c'est tout, je vous rappelle encore, c'est tous des universitaires. Un nombre de spécialistes selon ce qu'il y a sur la tuile qui est là. Donc, c'est un spécialiste. Alors, il va le mettre là. Et euh, je pense que c'est tout pour lui euh, quand il fait ce type d'action-là. Notre ami Chronos, il ramasse pas à ce moment-là euh, de tuiles. Et je voudrais vous dire que j'aime mieux qu'il ramasse pas parce que... Euh, non, il n'en ramasse pas de tuiles parce que ça, ça leur fait quand même pas mal de points en fin de, en fin de partie. Donc, Chronos vient de faire son action. Ok, Lui, c'est, c'est, pas plus dur, c'est ça qu'il fait. Là, c'est à moi. Là, je dois mettre dans la, donc, dans la première section, je dois mettre mon euh, pilier de saison. Alors, je peux pas le mettre là, évidemment. Je peux pas le mettre là parce que j'ai déjà un pilier qui est là. Je peux le mettre ici si je veux, mais si je fais ça, en théorie, quand on joue en multijoueur, ça donne une influence à euh, aux autres euh, joueurs qui ont déjà un pilier. Mais lorsqu'on joue avec l'Automa, ça y donne deux points. Okay? Fait qu'on veut pas ça. Mais je pourrais le mettre là, par contre. Okay? Parce que c'est juste moi qu'il faut pas qu'il y ait personne. Donc, euh, je pourrais le mettre là, puis là, si je voulais. Mais là, est-ce que j'y vais encore avec... Il faut que j'essaie de faire le plus de combos possible. Parce que là, ici, innover. Innover, c'est intéressant parce que quand quelqu'un fait la, la, le partage des idées dans cette action-là, la personne qui est là peut mettre deux personnages, donc deux citoyens dans les lieux. Et les citoyens dans les lieux vont permettre de pouvoir mettre ces fameux petits jetons-là euh, qui peuvent me donner des points en fin de partie, qui peuvent me donner également d'autres avantages. Fait il, y a, il y a des avantages à faire à peu près tout, mais là, présentement, je pourrais innover ici si je voulais. Je pourrais faire un innovate là. Est-ce que je veux vraiment faire ça? Mais c'est sûr que je peux chaîner en dessous de ça. Je peux chaîner l'action qui est là, puis l'action qui est là, c'est de présenter une idée. OK, c'est pas si pire, sauf que si je fais ça, ça va peut-être fonctionner. OK, je pense que je vais faire ça. Okay? Je, vais, je vais faire ça. Donc, je vais aller sur. Écoutez, j'essaie de faire ce que je ce, ce, du mieux que je peux. Okay? En même temps, ça me permet de vous présenter les. Euh, ce que je, donc là, je vais faire ce qu'on appelle un innovate. Alors, innovate, présentement, je peux innover seulement une idée qui a été inventée. Donc, je pourrais innover la protocité qui est là. Qui me permettrait de faire le chain. Parce qu'oubliez pas que le, le premier élément que je dois faire quand je fais une action, en théorie, là, j'ai les trois chaînes qui sont là. Il faut que je regarde sur mon. Euh, où, où se situe mon petit jeton de progrès et ben, de progression. Et là, c'est une chaîne que j'ai. Donc, ça, c'est la première chose. Et là, ensuite de ça, je joue mon action. ok Donc, là, j'ai un, une chaîne. Donc, c'est soit. Donc, je peux aller innover celle-là parce que comme c'est inscrit sur le plateau. On ne peut pas avoir le même personnage. Ici. Le, le même personnage ne peut pas inventer et innover. Donc, je pourrais aller innover la proto-cité. Ou je pourrais aller innover. Donc, le, le, si je vais innover la proto ça va me permettre de faire un Eureka. Et je n'ai pas ça. Vous allez voir, ça me fait deux affaires en même temps. Sauf que la proto-cité, est-ce que je vais être capable de le faire? Je pense que oui. OK. Sauf que j'aurais n'aurai plus beaucoup de bonhommes sur moi. C'est ça l'affaire aussi, au début. Il euh, faut que je pense à ça. Bon, innover. Je dois, je dois présenter un spécialiste de, du même type que l'invention, donc c'est un spécialiste culturel. J'en ai pas, mais il me reste encore un euh, un universitaire. Donc, je, je commence par le mettre là. Et là, je gagne un spécialiste de l'invention. Donc, ça, ça veut dire que je vais gagner sur mon plateau personnel. Je me prends dans ma réserve, euh, donc un citoyen qui devient un spécialiste culturel que je mets ici sur le plateau. Okay? Fait ça, 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 je viens de le faire. OK. Alors, ça, c'est la deuxième affaire quand on fait cette action-là. Et ensuite de ça, je peux performer la chain action, mais je dois avoir une chaîne de disponible. J'en ai une chaîne de disponible. Et là, je vais faire l'Eureka. L'Eureka, c'est ça ici. <laughs> Alors, ça, c'est quand même cool. C'est quand même cool. Je, je dois vous avouer que ça me permet de me faire quand même plusieurs petites choses que je trouve intéressantes que j'avais peut-être jamais faites avant. Donc là, là, pour ce qui est de l'Eureka, la première chose qu'on fait quand on fait un Eureka, c'est qu'il faut que je place donc mon mining qui est là, il devient un common knowledge. Okay? Donc, il devient une connaissance pour tout le monde. Donc, je dois jeter dehors le Control of Fire. Mais là, quand on dit jeter dehors, c'est que tout le monde a, va toujours avoir accès à ça. Donc, je le mets sur le côté du plateau. Là, vous ne le verrez pas. Et là, je dois descendre toutes les autres, dans le fond, connaissance A. Je prends le B ici et je laisse mon diplomate dessus. Et donc là, le mining est maintenant accessible à tout le monde. Bon, quand on joue un multijoueur, c'est un moment important parce que c'est un moment où justement tout le monde va maintenant avoir accès à cette connaissance-là qui va leur permettre de justement peut-être euh, faire des inventions. Et quand on joue entre l'automate, lui, il faut qu'il soit n'importe où sur le plateau. Okay? Alors là, maintenant, je dois choisir. OK? Je dois aller ici sur le côté et choisir soit le Iron Sailing ou les mathématiques. Euh... Ah, et puis tantôt, j'ai oublié dans l'autre épisode, j'ai oublié de ah, tasser ça ici. Ce qui est quand même très important. Hein? Il faut, euh, faut quand même le faire. Euh, je pense que je vais aller avec le Sailing. OK. Alors le sailing, je le mets ici. Aussitôt que je le mets là, je me mets automatiquement un diplomate. Donc le diplomate doit provenir de ma réserve personnelle. Donc je me mets un diplomate dessus. Euh, donc nous autres, on vient de découvrir le, le, le fait de, de naviguer. Et là ensuite de ça, je regarde ici et je dois placer dans le fond mon jeton qui est là. Je vais aller le placer sur des habiletés qui est là parce que maintenant mon, mon ma civilisation vient d'avancer à l'ère 3 avec sa connaissance. Et là j'ai le choix. Soit je me ramasse un point, j'appelle ça de l'influence, on va appeler ça de l'influence. Soit je me fais un autre innovate que je pourrais pas parce que euh, je pourrais pas faire un innovate, fait que je le ferai pas tout de suite. L'autre d'à côté, c'est de, de mettre un bonhomme. Celui qui est là, là c'est de mettre un bonhomme sur un lieu. Et ça, ça pourrait être quand même intéressant. Euh, avec une autre action que j'aimerais peut-être faire avant qu'il soit trop tard. Fait je pense que c'est ce que je vais faire. Donc, Je vais aller mettre mon petit jeton là. Et là, je fais l'action la, qui est dessus. Donc, je me prends un citoyen de ma réserve. Et je peux aller le placer n'importe où, dans, sur n'importe quel lieu. Alors, je vais aller le placer là. Pourquoi? Parce que je vais vouloir me mettre tout de suite euh, un, un de ces jetons-là. Vous allez voir, ça va me donner plein d'avantages éventuellement. Euh, fait c'est ça. Je pense que j'ai tout fait ce que j'avais. Ah oui, puis. Non, c'est bon. Je pense que j'ai tout fait ce que j'avais à faire. Présentement. Donc, avec mon action. J'ai fait quand même pas mal de choses, je trouve. <laughs> avec avec l'action en tant que telle. Est-ce que c'est ça Donc là là on arrive à la fin. Là, là par contre mon gros côté négatif, c'est que je n'ai pas ramassé de tuiles encore. Mais ça va ça va finir par venir, ça c'est sûr. Donc là, il faut que je prenne ma, mon chaîne, ma chaîne et je vais la mettre ici complètement à côté à la fin de ma séquence numéro 2. J'ai pas rien ici encore. Ça c'est pas c'est pas nécessairement bon. Je peux pas faire la construction puis je peux pas encore vous le présenter. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, c'est rendu maintenant à mon ami. Alors, pour sa première, il va essayer de faire un. Euh, est-ce qu'il peut Est-ce qu'il va pouvoir le faire Je pense que oui. Alors, il va faire un share. Donc, on va aller voir qu qu'est-ce qu que ça fait. Alors, première chose, est-ce qu'il peut mettre son jeton sur le share Oui, il n'y a pas de problème, il peut le faire. Donc, il peut faire, il peut faire cette action-là. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend face-toss. Et là, on va regarder où il peut faire le share, toujours en allant sur le prochain. Donc, il part du 7. Il s'en va au numéro 1, il peut se faire un share là. Non, parce que ça n'a même pas été inventé. Le, euh, le 1 est ici, en fait. En fait, il n'y a pas d'idée là. Le numéro 2 qui est ici, il n'a pas été inventé. Le numéro 3 qui est là, n'a pas été inventé encore. Le numéro 4 qui est là, a été inventé. Et, et il y a des bonhommes qui ont là, donc il peut faire le share. Et lui, dans le fond, quand il fait un share, il fait exactement comme, euh, comme un joueur. Donc ça, ça veut dire, première chose, il prend les bonhommes. OK, là, là on fait l'action de share en suivant ce qui est écrit là. Premièrement, celui qui a mis l'idée, OK, première chose, il prend ses bonhommes, puis il les met ici dans la région. Trompe-toi pas de région, Martin. La région, elle est ici. Okay. Alors, j'ai de la misère avec cette région-là qui est au centre. Alors, on les met dans la région et, je vais, et, et il va faire des points en fonction de l'ère de l'idée. Alors, c'est une aire numéro 2. Alors, il va se faire deux points. Ensuite, celui qui l'a inventé, il va mettre son bonhomme sur le lieu. En passant des bonhommes, ça va avoir rapport pour les jetons, les, les cartes de fin de partie et aussi pour l'action de placer euh, les fameuses bulles -là, qui sont là, qui vont donner des points, parce qu'il y a une histoire de majorité là-dedans, aussi dans, dans la région. Et là, il va prendre l'idée la, 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 en question et il va le mettre sur son plateau. Et là, peu importe notre ami, euh, ami Lotomas, que ce soit Kronos ou Ephaestos, il ramasse tout dans le même paquet. Donc, euh, je le mets dans le paquet. Et il n'y a, a pas eu personne qui a innové, donc il n'y a pas d'avantage pour ça. Et la personne qui a entamé l'action, donc c'est notre ami Notoma, va ramasser ici la, le jeton de Wealth. Et s'il y avait déjà eu un G, euh, il aurait pris parce que quand on fait cette action-là, on a deux choix. Soit on prend le jeton du Wealth ou on prend un jeton de notre choix. Alors là, il va le prendre et il va aller le mettre sur son plateau personnel. Il bon, y a un beau petit endroit. Ceux-là vont donner trois points. En fin de partie. Donc, on le tourne de côté, puis jamais sur son plateau personnel. Et là, si on regarde, est-ce qu'il y a une chaîne? Il n'y a pas de chaîne. Donc, c'est tout ce qu'il va faire dans son tour. Hein? Vous voyez, ça, ça va quand même relativement vite. Alors là, on va avancer Chronos de 1. Et là, ça va être au tour encore une fois de chronos. Donc, comme d'habitude, Chronos va aller ici. Alors là, il va aller là. Est-ce qu'il peut faire, dans le fond, dans l'ordre. Est-ce qu'il peut faire un présenter une idée de est-ce qu'il peut inventer une idée? Non. Est-ce qu'il peut faire un share? Donc, la première fois, il va faire un share. Est-ce qu'il peut partager l'idée? Non, parce qu'il n'y a pas de jeton de sa couleur dessus. Et est-ce qu'il peut faire un innovate à la fin? Non, parce que euh, il n'y a plus de place. Alors, il va avancer ici. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Bien, regardez, il va aller présenter une nouvelle idée. Et la nouvelle idée, c'est justement la Lighthouse. Et il a besoin de mettre deux petits bonhommes dessus, euh, sur la, la, la tuile du spécialiste. Mais il ne ramasse pas les trois points qui sont dessus. Et là, ensuite, je dois tracer les cartes ici. Et c'est tout pour son tour. Ce qui n'est pas si pire. Là, c'est à mon tour. Je pense que je vais le faire tout de suite. Je n'ai jamais fait ça. Ouais. Je n'ai jamais fait ça aussi rapidement. Vraiment, il faut que je regarde. Ah, je peux pas. Je voulais, je voulais aller là ici pour aller placer un jeton comme ça. Mais le 2, je me trompe tout le temps. J'ai déjà un de mes jetons, je ne peux pas en mettre deux. Parce que ces jetons-là, en passant, il euh, faut avoir la majorité dans le lieu. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième affaire aussi, c'est je dois avoir ici, là, vous le voyez, je ne sais pas si vous le voyez. Là, mais pour mettre celle-là, ça me prend. Deux, euh, deux citoyens, trois citoyens, quatre citoyens, cinq citoyens dans le lieu. Puis là, il n'y a pas ça présentement dans le lieu, fait que je ne peux pas faire cette action-là, ça ne me donnera rien. OK. Là, je ne peux pas faire, faire d'action ni là ni là. Je ne peux pas faire deux fois un Eureka dans la même ère. Euh, Donc, ce qui me reste, c'est que je peux faire voyager. Voyager va me permettre d'aller chercher un sage, ce ne serait pas nécessairement une mauvaise chose. Je peux essayer d'aller. Euh, ici, quand on va mettre un diplomate, on fait l'action qui n'est pas une action chaînée. On peut faire l'action qui est inscrite à côté. Y a-t-il vraiment quelque chose que je veux faire à ce niveau-là d'extraordinaire? Je ne pense pas. Je pense qu'on va déplacer. Okay, je vais mettre mon action là. On va déplacer. Puis je vais aller regarder. Donc, pour faire des points, il faut que j'ai de 2 à 4, à 5 et à 6. Il okay, faut que j'aie des citoyens ici, là, de, 2 à, donc, de 2 à 4, à 5 à 6. Donc, est-ce qu'on commence à faire du mouvement? Dans la bonne direction, sauf que là, il faudrait que je regarde le chainage, ce qui pourrait être intéressant pour le chainage, ah, parce que je ne oublie pas que j'ai toujours un élément de chaîne. Ok, je pense qu'on va le faire, mais je ne suis pas sûr que c'est optimisé, vraiment mon coup faire ça, parce que l'autre action que je peux faire, c'est celle-là ici, qui est une action de call spécialiste, mais je ne veux pas nécessairement ramener des spécialistes. Ok. Fait que, ce qu'on va faire, donc là, la première chose que je fais, c'est que je me ramasse, donc je me prends une de mes, de, une de mes tuiles d'inspiration et sur mon plateau personnel, je le mets du côté que l'action, on, on m'inscrit, on me dit de le mettre, donc je vais avoir besoin d'aller me chercher une tuile d'inspiration culturelle. Donc okay? là, pour l'instant, je mets ça là. On va aller la chercher un petit peu plus tard. Deuxième chose, je déplace un seul personnage, donc je vais le déplacer. Lui, il y a une petite... Il y a une petite euh, un petit fil bleu, donc je peux envoyer lui en Europe. Donc on passe du Moyen-Orient en Europe. Euh... Ouais, c'est ça. Donc un. Et ensuite de ça, je peux faire l'action chaînée qui est là. Ce que je vais faire parce que j'en ai un disponible. Et donc, l'action qui est chaînée, c'est une action de plus 1. Donc je monte de 1 ici. Et quand on fait l'action de chaîner, quand on fait la chaîne, on tourne ça de côté. Et je ramasse le sage que je mets sur mon plateau personnel. Okay. Et ce sage-là va me servir à la fin du tour. Il va retourner sur le plateau, mais il va me donner un universitaire. Et là, ici, à quoi ça va servir ça? Vous allez voir, c'est une action très intéressante. Quand on bouge, plus il y a des, des tuiles de tournée, bien, on peut faire l'action chaînée qui est là. Et on va retourner toutes les, les tuiles qui ont des deux points, puis on va se faire ces points-là. Mais là, pour l'instant, je fais pas de points. Fait que là, ma deuxième... Euh, J'ai fini mon action, c'est tout. Pour ce qui est de cette action-là. Et là, maintenant, je dois, pour la fin, et ça, on est rendu dans la phase numéro... Euh, numéro 3. Donc, dans la phase numéro 3, maintenant, je prends ça ici, et je dois aller chercher euh, un des... Euh, donc, j ai, j ai, je vais prendre une des tuiles qui est là pour que je vais pouvoir euh, donc éventuellement euh, donc, mettre sur mon plateau. Les tuiles donnent tout plein d'avantages qui sont tous aussi cool les uns que les autres, comme par exemple la tuile numéro 1, on a toujours la majorité, peu importe où on est, on a toujours la majorité lorsqu'on fait cette action-là de, euh, de mettre un de nos jetons pour faire des points. Euh, la tuile numéro 2 il euh, euh, faudrait que je la regarde. La numéro 3, c'est qu'on peut se déplacer n'importe où. Quand on se déplace, je peux déplacer mes personnages n'importe où sur le plateau. La tuile numéro 4, quand je fais cette action-là, ici, l'action là, euh, donc de, de, de placer euh, ces éléments-là, euh, ça va me coûter un citoyen de moins que ce qui est inscrit. La tuile numéro 5, euh, quand je fais l'action de bouger, je peux euh, bouger, euh, je pense, je pense que je peux bouger d'un endroit de plus, si ma mémoire est bonne. Euh, la tuile numéro 6, ça va me permettre de construire, donc, parce qu'il y a comme une limite sur le nombre de tuiles qu'on peut construire à chacune de nos, euh, de nos, euh, à chacune de nos, euh, de nos tours, chacune de nos tours qu'on décide de faire la construction. Et la tuile numéro 7, je m'en souviens jamais de la tuile numéro 7, mais dans ce temps-là, c'est là, là qu'on va aller vérifier ici. Et on a, chaque, chaque joueur a un petit élément comme ça. Et c'est écrit dessus. When you advance your error marker in the error correction, you may instead apply the effect of any other space. Alors, euh, c'est sûr qu'en multijoueur, cela ne sert pas à grand-chose, mais euh, cela, on peut prendre n'importe quel effet, même ceux qui sont, qui sont déjà euh, sur lesquels ils sont déjà dessus. Bon, moi, je vous dirais qu'un que, que j'aime vraiment beaucoup, bon, je vais je prendre le je prendre numéro 4. OK? Je vais prendre numéro 4. Et ce que je fais pour l'instant, c'est que je prends ça ici et je fais juste le mettre là. Donc, ça, c'est un bâtiment qui est prêt à être construit sur mon plateau personnel. Là, on arrive au moment où je pourrais faire ma construction. Et là, c'est là qu'il faut que je regarde. Premièrement, combien de constructions que je peux faire dans mon tour Il faut que je prenne, dans le fond, l'air dans laquelle on est, moyen. Donc, là, moi, personnellement, je suis à l'ère 3, donc je peux me faire deux constructions. Okay? Euh, si je décide de faire une construction, je, je dois payer 3 de réputation. Donc là, je suis présentement à 3, je tomberai à 0. fait ce n'est pas très avantageux. Puis après ça, le coût que ça va coûter, c'est qu'il faut que je paye des spécialistes. OK? Et là, c'est là que vous allez. Regardez bien, c'est un peu abstrait. Je peux placer mon, mon, mon jeton n'importe où. OK? Pas obligé qu'il soit adjacent d'un autre. Puis après ça, je dois payer un coût qui est de 1, donc pour des tuiles comme ça. Mais je dois payer évidemment le spécialiste en question. Donc là, ce serait un spécialiste culturel. Donc quand on le paye, on le met comme ça. Donc, euh, on, on, on le couche comme ça pour dire qu'il n'est plus disponible. Et je dois payer en dessous de ça un de plus pour chaque autre tuile adjacente à celle qu'on installe, moins, la valeur, moins le nombre de tuiles que j'ai, euh, donc d'inventions que j'ai déjà faites de ce type-là. Donc là, présentement, voyez-vous, les tuiles économiques, j'ai déjà moins deux que ça va me coûter en spécialiste pour l'installer. C'est pour ça que ça peut être avantageux, mais c'est très avantageux également de faire des inventions parce que ça nous coûte moins cher. Mais là, c'est sûr que là, présentement, avec une seule tuile, ça ne donne pas grand-chose de faire des constructions. Je dois vous avouer que c'est là-dessus que je pense que je ne fais pas assez de points présentement. D'après moi. Mais euh, bon, alors, j'ai fait ma chaîne, j'ai fait mes affaires, j'ai fait mon action. C'est super. Mais là, maintenant, c'est au tour de mon ami. Mon ami qui va jouer donc sa deuxième. Et là, on voit que là, il faut aller regarder s'il si, euh, peut faire l'action de justement re reprendre un personnage. Bien, je peux tout de suite vous dire que oui. OK? Donc, il va prendre ça, il va aller le placer là. Là lui ça, ça c'est une action que fait un peu moins souvent. <laughs> fait que donnez-moi juste ça, ça s'appelle le call specialist. Donc je dois bouger Efaceus dans la prochaine région qui a au moins un de ses citoyens. Donc là présentement dans la prochaine région dans laquelle il y a un de ses citoyens, il va faire pas mal le tour pour revenir ici. Okay? Donc c'est comme ça, il peut faire il peut le faire mais on s'entend qu'il est un petit peu plus loin. Euh, là, ensuite, il va ramener un de ses citoyens. Donc, je prends un de ses citoyens et je le ramène dans sa réserve. Euh, il va gagner la progress style de l'invention du lieu. Alors, on voit ici qu'il n'y en a pas d'invention. De, de, Alors, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre l'idée qui est à la plus à droite. Alors, c'est culture. Alors, il va prendre la culture numéro. Parce qu'on est dans la région numéro 4. Alors, je vais prendre la culture numéro 4 qui est déjà. Parce que c'est celui que je viens de prendre. Donc, il est déjà plus là. Alors, la culture numéro 4, puis il va le mettre sur son plateau personnel. OK. Euh, et après ça, s'il y a accès à une chaîne, ce qui a effectivement accès à une chaîne, donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre la petite chaîne dessus. Et il va faire l'autre action qui est en dessous qui est une action de faire ce qu'on appelle un « share ». Alors, est-ce qu'il peut faire un « share » Allons regarder ça ensemble. Donc, il va toujours voyager à la prochaine région. Il peut -il faire un « share » là Non, parce qu'elle n'a pas été inventée. Elle n'a pas été inventée. Elle a été inventée et il y a un bonhomme dessus. Donc, il peut faire un « share ». Et là, ça, ça va être avantageux un petit peu pour nous. Fait que, on y va. Donc, premièrement, « moi ». Je me fais deux points. Donc, ce sont mes deux premiers points de la partie. Et je mets mon bonhomme en Amérique du Sud. OK? Lui, il va ramasser, euh, donc, il va, prendre, il va mettre son bonhomme ici. Euh, il va ramasser la proto-cité parce que c'est lui qui l'a fait. Et moi, ici, parce que j'ai fait un Innovate, je vais mettre un bonhomme et je vais en mettre un autre. De ma réserve. Bien, ça, c'est mon avantage d'avoir fait une innovation. Et étant donné que c'est lui qui a fait l'innovation, je vais ramasser. c'est pas celle-là. Je vais ramasser le B qui est là et je vais aller mettre sur son plateau personnel. Il vient déjà de faire deux shares, lui. C'est pas pire, hein? Ah, c'est une... il, il joue bien quand même. Il ne s'est pas fait beaucoup de points, par contre, mais. Et là, on voit que j'ai. L'action que je voulais faire tantôt, c'est probablement une action que je vais pouvoir faire lors du prochain tour. OK. Fait que là, il a fini son tour parce qu'il n'y a pas d'autre chaînes Donc lui aussi, il ramène son jeton de chaîne sur, euh, sur son plateau. Et là, on va avancer, donc, chronos Et là, on arrive déjà dans la troisième. Euh, troisième tour de lair 2. Et là, c'est au tour de Chronos. Et vous, com vous commencez à comprendre un peu le principe. Donc, Chronos va s'en aller ici. Alors, est-ce qu'il peut inventer? Donc, ici, c'est stone and bone tools. Alors, oui, ça se situe là. Alors, notre ami peut aller, euh, donc, inventer ça. Et il va se ramasser une, une tuile, donc, de, du numéro 2. Culture et il va le mettre sur son plateau personnel s'il l'a pas déjà et il l'a pas et il va avoir donc inventé le seawall qui okay, est maintenant une invention qui est faite qui peut être que je pourrais décider de faire un share si je voulais je pourrais pas là, mais euh, je pourrais décider de le faire hmm, intéressant OK fait que là, c'est à mon tour. J'aurais peut-être dû le bloquer. Ah non, ça, non, c'est bon. C'est bon. Là, c'est à mon tour. Donc, là, je dois bouger maintenant mon, euh, mon pilier d'époque. Toujours en ayant la même chose. Mais là, je pense que je vais aller ici. OK. Je vais aller là. Alors, on va faire... Euh, comment ça s'appelle exactement cette action-là? Ça s'appelle gagner de l'influence. OK. Alors, pour gagner d'influence, je prends une région, il faut que j'aille la majorité. Donc ici, j'ai la majorité. On s'entend? Ça, c'est fait, c'est beau. J'en ai trois. Comme je vous dis, ça se peut que j'optimise pas du tout mes coups. J'en suis très. En passant, je ne veux pas oublier de prendre toujours mon petit jeton là, que j'ai là. Je sais que j'optimise probablement pas mes coups, mais ce n'est pas grave, OK? Je, je, je m'amuse, j'ai du fun j'ai euh, j'ai ce qu'il me faut lance au de ça lequel de mes jetons que je peux mettre parce que j'en ai trois personnages alors parce qu'ils reviennent sur mon plateau c'est ça qui est le fun ils reviennent sur mon plateau mais ça me donne pas plus de points fait que je vais prendre le 2 mais dit que parce qu'ils vont venir en culture ah, ça, c'est une autre affaire, par exemple. Ah, je n'ai pas le choix. OK. Alors, je vais prendre celui-là, qui va, dans le fond, ça va me coûter deux personnages. Je vais prendre deux personnages. Et là, ils vont revenir où, mes personnages Ils vont revenir selon l'invention euh, la, la, qui est là. Le type d'invention. Il n'y en a pas. Quand il n'y en a pas, il faut que je voir sur mon plateau. Alors, le plateau qu'on voit, celui qui est le plus à droite, c'est un culture. Alors, mes bonhommes vont revenir en mode culture et utilisable. Hein? Mais ce sont des, des bonhommes de culture. Malheureusement, c'est comme ça. Alors, ça, c'est fait. Et là, je dois aller placer après ça euh, ici, donc, mon, euh, mon numéro là. Et là, on voit que je vais me faire quatre points en le plaçant là. OK. Donc, je me fais. 1, 2, 3, 4. C'est la première fois depuis que je joue que je suis à égalité avec lui. Ça veut rien dire. Okay? Ça veut rien dire. <laughs> ne vous en faites pas. Euh, et là, après ça, je vais me faire. Écoutez-moi bien. Là, je vais me faire de l'influence ici, là, selon le nombre de faces visibles, de jetons comme ça, faces visibles que j'ai. Alors, j'en ai deux. Alors, je me fais un et deux influences ici. Ça, c'est quand même cool. Ça veut dire qu'à partir du prochain tour, je vais pouvoir faire deux chaînes si je veux. Je ne sais pas jusqu'à quel point je vais pouvoir faire beaucoup de chaînes, mais on verra. Et là, une fois que ça c'est fait, là, je peux décider si je veux de faire n'importe quelle chaîne qui se situe ici. Et je pense que. Pourquoi pas? Ouais, ok, je pense que on va la faire la chaîne parce que j'en ai un. Je vais faire celle-là ici qui me permet de faire, un, de présenter une idée. Ok, alors présenter une idée, vous vous souvenez un petit peu. Donc là, il y a deux endroits que je peux présenter une idée. Et là, je pense que writing, j'ai besoin de origin of language. Puis là, j'ai besoin de iron. Iron, il n'est pas sorti encore. je vais prendre mon ben, malgré que là, j'en ai beaucoup de comme ça. Mais c'est pas grave. C'est ça qui me permet de faire ça. Alors, je vais prendre le writing qui est là. Et là, j'ai le choix d'aller le mettre là ou d'aller le mettre là. Ça, ça me donnerait un plus un ici. Ça, ça me donnerait de pouvoir mettre un personnage n'importe où. Je pense que je vais aller le mettre là. OK. Et donc là, j'ai besoin de prendre deux de mes personnages qui sont des spécialistes en culture, que je viens juste d'avoir. Et je vais aller les placer ici sur la tuile de spécialiste. Ce qui va me permettre de mettre un citoyen n'importe où sur le plateau. Et je vous rappelle que moi, je vais faire beaucoup de points si j'ai... Euh, là, attendez, là, je les mets à 7. C'est bon, 7, ça en est un. Il fallait que je mette là-dessus. Et bye -bye. euh Donc, 2, 4, 5, 6. Donc, je pense que je vais... Le mettre sur le 6 ici. Donc là, j'ai deux. deux Donc, il m'en manquerait juste un. Puis j'aurais toutes les connexions ici. Il faudrait juste qu'il reste là jusqu'à la fin de la partie. Mais là, je ne sais pas s'ils vont rester là jusqu'à la fin de la partie. Alors là, est-ce que j'ai tout fait ce que je devais faire? Alors évidemment, ça, ici, je le tourne de côté. Il ne sera plus disponible pour le restant de la partie. Alors, on arrive à la fin de la deuxième ronde. Je me suis pas ramassé de tuiles. Ça, c'est je me suis fait des points, je me suis pas ramassé dessus ce qui fait en sorte que j'ai pas encore vraiment construit beaucoup sur mon plateau personnel, je suis même je vous dirais assez euh, assez limité à ce niveau là parce qu'on va finir bientôt l'air 2 puis euh, c'est euh... bon j'ai oublié, oublié quelque chose par contre je dois me choisir une autre carte euh... Il commence à avoir des cartes de niveau 4 qui sont là, mais je pense. Non. Ah ouais, on va, on va s'en aller déjà dans le 4. Donc, sauf que la crane n'est pas encore sortie, mais ça va venir. Donc ça, c'est la catapulte. J'ai déjà l'idée de la catapulte. C'est pour me faire des points éventuellement. Okay. C'est pour me faire des points. Bon. OK, je pense que là, j'ai tout fait, tout, tout ce que j'avais ce que je pouvais faire avec, la, avec cette action-là. Bon, c'est quand, quand même pas si mal. C'est quand même pas si mal. OK, là, euh, ouais, là, 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 là j'ai changé la caméra, mais c'est ça plutôt qu'il fallait que je fasse. Donc là, c'est au tour de notre ami Faistos. Alors, est-ce qu'il peut aller faire euh, cette action-là sur le plateau? Non, il ne peut pas. OK. Euh, pourquoi? Parce qu'il y a déjà un, un pilier qui est dans, dans le forum. Est-ce qu'il peut aller faire celle-là ici qui est juste en dessous? Parce qu'on s'en va toujours en dessous. Et la réponse, c'est oui. Donc, ça, ça veut dire qu'il peut prendre son pilier et il va aller le mettre là. Et ça, je pense que c'est la première fois que, dans mes trois parties qu'il fait cette action-là. Alors, send diplomate. Ok. Alors, il va placer un diplomate sur le premier milestone sur lequel il n'a pas euh, un de ses diplomates counterclockwise from his private milestone. Place his diplomat on the first milestone without any of his diplomats counterclockwise from his private milestone. Ignore the action on the milestone. Euh, mais est-ce qu'il va, est qu va envoyer son diplomate? Quand je vous dis c'est la première fois que je l'ai. On the first milestone without any of his diplomat counterclockwise. Fait que j'imagine qu'il va aller le placer sur Transportation. Parce qu'on peut les le placer n'importe où. Son, lui il est là, donc counterclockwise. C'est ici le premier. Parce que ça, c'est en ordre. Les aiguilles d'une montre, à moins que ça, ce soit. Ah, c'est dans le sens contraire. Des aiguilles d'une montre. Donc, il va aller le placer sur Mining ici. OK. Ça, il va comme ça. Ensuite, il va se faire des points selon euh, l'air selon dans lequel c'est inscrit. Donc, il va se faire deux points en allant se placer là. OK. Donc, il se fait deux beaux petits points. Euh, puis euh, si, if it's the player's milestone, si c'est celui du joueur. Et um, they are in a later era, le player gagne one influence. Ouais, wow, c'est intéressant. Mais est-ce est que ça c'est mon milestone? Ça, je pense c'est mon milestone. Fait que si ça avait été mon milestone, j'aurais gagné une influence, mais ça c'est pas le mien. Je pense que c'est ça. Je vais aller voir dans les règles juste pour être sûr et certain. Là. Mais je pense bien que c'est ça. Ok, donnez-moi deux secondes. Alors oui, donc c'est vraiment il faut que ce soit sur un des une des connaissances privées et non sur celui qui sont dans le common knowledge. Ok, c'est tout en passant parce qu'il fait pas de chaîne. Donc imaginez-vous donc on arrive déjà à la fin de l'ère 2. Donc je vais monter Chronos ici et je vais donner les deux euh, des deux petits jetons à, à mes amis parce que on va faire le changement d'air tout de suite aucune idée si présentement ça va bien ou si ça va pas bien, mais euh, ils font pas énormément de points. En passant, tout ce que je fais là, c'est inscrit avec de l'iconographie, mais j'ai encore des fois besoin de voir juste euh, le racking. Donc là, la première chose que je fais, c'est que je prends les cartes des Faistos. Alors, les trois cartes qu'il a utilisées, et je les mélange. Ok, Il y en a cinq cartes en tout. Ça veut dire qu'il y en a une qui va revenir à la prochaine ère. Donc, je les mélange je les. Les trois, et je vais les placer en dessous, comme ça, donc de, euh, de mon ami Héphaïstos. Euh, ensuite de ça, bien, euh, il va prendre sa deuxième action de chaîne. Donc, la deuxième action de chaîne, euh, c'est celle-ci. Alors, je vais la placer là. Donc, il va pouvoir faire deux, euh, deux chaînes maintenant à chacune de ses, euh, de ses tours. Et Kronos, lui, c'est la même affaire. Il va prendre... Ça ici. Et il va, il va faire comme, comme tantôt. Donc, il va se déplacer sur le prochain. Bonsoir. Vous allez bien? Ah, très bien. Deux. Et enfin, il va aller à trois ici. Il y a déjà un bleu. Il va aller ici. Donc, il y en a pas de placé. Il va placer son jeton là. Mais il va se faire cinq points. Donc, on va avancer cinq points. Un, deux, trois, quatre, cinq. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi de faire ça. Je trouve que ça. c'est peut-être moi parce que je vous parle assez bien. Mais il ne se fait pas les points sur lesquels il est dessus. Il se fait le point du plus gros chiffre qu'il y a dans cette région-là. Peu importe. Donc, c'est comme ça. Euh, puis après ça, c'est écrit. Euh, à la fin de l'ère 2. Là, c'est là que c'est un peu spécial. Donc, là, ça, on ne l'a pas fait encore. À la fin de l'ère 2 à 4, Kronos va prendre un nouveau milestone. Et il va avancer aussi dans les airs. Donc là, on prend le dernier qui est complètement en bas ici. Puis comme tantôt, je vais le mettre de côté. Cela, il faut les voir parce qu'ils sont quand même accessibles. Je vais baisser tout ça. Et ensuite de ça, on va prendre le copper smelting de notre ami. Il va le mettre ici. OK. Et il va prendre celui qui est le plus à droite sur la, la piste, en tout cas le plus en haut. Euh, et il va prendre donc le iron qui va, de, qui va venir ici. Et il va mettre un petit, petit bonhomme dessus. OK? C'est bien important. C'est comme ça que ça marche. OK? Là, ensuite de ça, s'il en reste encore... Et là, vous ne le voyez pas, mais il reste encore mathématique. OK? Lorsqu'on joue à trois joueurs, il y a un joueur qui est non actif ici. Alors, lui aussi, je dois donc faire la même chose. Donc, on enlève le dernier qui est complètement en dessous. On va descendre toutes les, les autres. Et c'est à ce moment-là, s'il en reste, et seulement s'il en reste, donc lui, il va mettre le coton dans le public display, et on va mettre les mathématiques ici en dessous. Et voilà. Donc, on vient de, de, de changer ici un petit peu l'allure euh, de ce, de ce plateau-là. Et là, ce qu'on va faire après ça, c'est que là, je prends les dés, et on va les placer ici, disponibles pour la prochaine heure donc on a le Greek Fire qui semble être un type de bateau en tout cas je sais pas trop euh, on a du papier et on a crane crane qu'on qu a besoin faut pas oublier que toutes les autres qu'on met de côté il faut que je les laisse, je les, je les laisse accessibles pour qu'on soit capable des de voir hein? si vous regardez là je vais essayer de vous de vous tasser un peu là alors si vous regardez ici là, on, on, on les a mis on les a mis là ok donc ça, c'est fait. Et là, il ne faut pas que j'oublie que son jeton à lui, je le prends et je le mets dans la prochaine ère. Mais je le mets sur l'espace qui est plus à droite et il va y avoir le changement de taux. Sauf que ça ne changera pas grand-chose. Euh, vous allez voir, euh, vous allez voir ça euh, tantôt, là, parce que là, présentement, c'est tout ce qu'on fait. Et ensuite, pendant cette. Euh, si euh, notre ami faistos avait des sages. Ben là, euh, il serait deux points lui à la place. Bon, là maintenant, là on va faire maintenant notre fin d'air. Donc on ajuste le turn order. Donc si au moins un joueur que son son jeton d'air est justement sur un changement de taux, alors il peut choisir où il va il va placer son turn order, mais Thomas va toujours décider de jouer en premier. Okay? Fait que ce qui fait en sorte que ça change pas parce que c'est Chronos qui est là. Ensuite on va ajuster. Euh, donc ici, étant donné que je suis à moins 1, je dois baisser de 1 euh, l'influence, mais c'est quand même correct pour la prochaine ère. Je vais avoir deux, deux, chaînes, euh, deux chaînes que je vais avoir de disponibles. Ensuite, tous les spécialistes qui sont euh, donc, exhaustés, qui sont couchés. Donc, je pourrais les ramener, mais je n'en ai pas présentement euh, de disponibles. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener euh, toutes, les, euh, toutes les piliers de saison. Donc, on ramène les piliers de saison, mais on laisse. Les piliers d'époque vont rester euh, sur place, euh, ce qui est bien important. Là, je devais retourner mon sage. Alors, le sage, je le retourne sur le lieu sans bouger ça, euh, sur le plateau, donc il va rester sous deux points. Et je vais rajouter, donc étant donné que j'avais un sage, je vais rajouter un universitaire ici sur mon plateau, parce que le sage va va décider de rester avec moi. Et si j'avais des jetons d'économie que j'avais utilisés sur des tuiles, ben là, je pourrais tout simplement les euh, les replacer. Là, c'est là qu'on ferait les milestones, mais là, on les a déjà fait, Donc, ça, il n'y a pas de problème. Et là, ce qui nous reste à faire, c'est quelque chose qu'il a fallu que je vérifie. Ce n'est pas très compliqué, mais là, on est à l'ère 3. Donc, toutes les cartes d'Air 2, faudrait que je les enlève ici sur le plateau. Il n'y en a pas. Et si j'avais des cartes d'Air 2... Sur mon plateau personnel, il faudrait que je les enlève aussi, mais j'en ai pas non plus. Donc, je n'ai pas rien à toucher à ce niveau-là. Donc, ces inventions-là ont été inventées par d'autres civilisations. Et là, ben, imaginez-vous donc qu'on est déjà rendu, ben, quand je dis déjà, ça dépend comment vous voyez ça. Là? On est déjà rendu à l'ère 3. Euh, et pour l'instant, ben c'est 13 points pour l'automa à 6. Je ne suis pas si loin en arrière. Je suis quasiment fier. Je suis pas sûr si ça va bien aller jusqu'à la fin, mais on va faire un autre R avant la fin de cet épisode-là. Alors, ça va être autour de Chronos. Bon, alors j'espère que j'ai pas fait trop d'erreurs depuis le début, mais euh, pour l'instant, ma, ma seule crainte que j'ai, c'est que j'ai vraiment pas beaucoup de tuiles sur mon, sur mon plateau. Bon, alors Chronos va s'en aller ici au numéro 5. Euh, Est-ce qu'il peut euh, inventer le Sundial? Ben, je pense que oui, parce que ça prend les mathématiques, c'est ça, les mathématiques sont ici. Donc, lui, il a juste besoin que ce soit sur le plateau à quelque part. Donc, voilà, il va les prendre. Et là, il va se ramasser, dans le fond, une tuile scientifique de niveau, de numéro 5. Alors, je vais prendre cette tuile scientifique et je vais la mettre sur le plateau. Voilà qui est fait. Euh, et on va retourner ça de côté. Alors, le sundial est maintenant quelque chose qui est fait. Bon. Là, c'est à mon tour. Qu'est-ce que je fais? Il faut que j'essaie de ramasser des... Il euh, faut que, faut que j'optimise la construction. Ça dépend toujours de ce que je fais. Je pourrais faire du sharing. Si je fais un sharing, le sundial, je pourrais le faire, mais c'est parce que j'ai besoin également, je dirais que j'ai besoin d'inventer. Il faudrait que je sois capable d'inventer pour que je puisse me ramasser avec des cartes. Et là, je pourrais, est-ce que je peux? Est-ce que je peux inventer The origin of language oui parce que The origin of language il est disponible sur le plateau il est juste là. Fait que je pourrais inventer celui-là. Ça ça serait super pour moi. Ça me donnerait plein d'avantages pour moi. Mais le plus intéressant ça serait lui ici. Ça serait le sailing pour que je puisse éventuellement mettre pour me faire 6 points en allant là. Puis le sailing c'est quand même je l'ai fait que je peux le faire. Sauf que ça me prend ah oui, ça me prend une économie. Mais là c'est parce que si je fais ça, je me ramasse avec une carte de sailing, puis là c'est sûr que ça me prendrait plein de tuiles économiques. Ouais, donc qu'est-ce que je fais Donc là, je pense que je pense que je vais vraiment y aller pour faire une invention. Euh... Est-ce que je peux Non, je ne veux pas une économie, c'est ça. Je pourrais aussi inventer. Est-ce que je peux inventer le copper smelting Oui, il est là, donc je pourrais l'utiliser. Sauf que c'est ça, être... ouais, ça pourrait être. intriguant. ça pourrait être intrigant. Je pense que le plus avantageux, c'est lui, l'Origin of Language. Donc, j'ai besoin d'aller me prendre un de mes spécialistes en culture, ce que j'ai. Origin of Language, il est dans le Common Knowledge, fait que je suis correct. Je peux le faire. Ça, c'est le writing. Je peux l'inventer. Mais il faut pas je vais me ramasser une belle tuile euh, technologique, fait que ça, c'est intéressant pour me ramasser une tuile. Je dois vous avouer que ça, c'est cool. Euh, puis, c'est tout, je pense, que j'ai comme avantage. Je commence ma tuile, je mets ça, puis après ça, je retourne, je retourne la carte. Et j'ai pas de chaînage que je peux faire. En passant, j'avais oublié au début de me prendre mes deux jetons de chaîne, mais là, j'arrive à la fin. Faut que je les remette de côté. Ouais, c'est juste ça. Mais bon, c'est pas, c'est pas si mal pas si mal, c'est pas si mal. Ok, on va accepter ça. On va accepter ça. Ouais, ça va être mon tour. J'ai pas bien le choix. Ouais, en fait, j'ai le choix, mais ça va être ça. Ok, donc mon tour est fait. Mais ben, attendez, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je vais revenir ici. Là, parce que, là, je vais changer ça pour me prendre une de mes tuiles. Puis ce qui est cool avec ces tuiles-là, c'est que ce sont des tuiles qui nous permettent d'optimiser une action. Donc, si par exemple, je prends l'action de faire une invention, je peux, en payant une influence et en retournant la tuile, donc c'est un one shot, puis c'est une chaîne, euh, je peux faire l'autre action qui est à côté. Donc là, j'ai l'intention de bouger peut-être souvent. Donc, peut-être que je vais faire invention et bouger. Fait que là, je vais prendre ça ici. Je vais la placer là. Là, est-ce que je peux construire là, je, pourrais con je pourrais construire les deux. Ouais, ok. Je pense que je vais le faire. Ok. Si je le fais, ça me coûte deux. Ça me coûte trop cher. Je vais attendre. Je vais attendre. Je, je, je sais pas. Je sais pas si je fais la bonne affaire, là, mais pour l'instant, je vais attendre. Je vais attendre. Donc, mon tour se termine là. Héphaïstos, alors lui aussi, il veut... Euh, ben oui, il peut le faire. Donc, on va s'en retourner ici. Donc, on va prendre une de ses saisons. Donc, il va présenter une idée. Il va pouvoir le faire parce que il est là. Alors, est-ce qu'il peut pr présenter une idée là? Non. Est-ce qu'il peut présenter une idée ici? Non. Est-ce qu'il peut en faire une là? Non. Le non. Le non, le non, le non. Mais il revient ici, puis il peut effectivement présenter une idée. Puis C'est exactement comme... Notre ami, donc, il prend celle qui est la plus à droite. Alors, qui est une idée de niveau trop d'air 3. C'est l'air dans lequel on est. Alors, qui est euh, Musical Notation, donc les, les, les notes de musique. Et euh, il doit placer un personnage ici. Et je pense que c'est tout. C'est ça, pour lui? Ah oh non, il ramasse, je pense, une tuile. Non, non, il ramasse pas. il prend pas les bénéfices. OK, c'est pas pire. C'est pas pire. Donc on est dans déjà dans la deuxième partie de cette ère là. Donc Kronos va aller ici est-ce qu'il peut inventer les pièces de monnaie? Copper smelting. Oui, il peut le faire en masse. Alors, il va mettre... Euh, un, en, en passant, j'ai oublié de vous dire qu'il y, y a certains... Il faut que je fasse attention parce que à partir, je pense, de la quatrième heure, si vous regardez là, comme il faut, là, comme par exemple quand on fait une invention à partir de la quatrième, euh, même à partir du troisième heure, il faut vraiment que je vérifie ça. Hein. C'est comme là, ici, là, tantôt. Le writing... Ah, le writing, je correct. OK il y a des fois des euh, certaines inventions qui, qui va falloir aussi que je que je que je couche d'autres spécialistes de, du même type alors euh, faut pas que j'oublie ça ça c'est bien important mais là c'est le cas ici pour les coins mais euh, mon ami euh, mon ami euh, euh, pas de Zeus mais Chronos lui euh, il a pas besoin de faire ça évidemment alors il va se ramasser une tuile donc économique 6. Alors, on va prendre les tuiles économiques 6 qui sont des tuiles qu'on peut activer en utilisant euh, les jetons d'économie. Donc, il va prendre le 6. C'est le premier, d'ailleurs, euh, que, que lui va faire en économie. Et on va tourner la carte de côté. Bon. Mais il n'est pas pire, il s'avance pas mal. Euh, le moins. C'est sûr que je pourrais faire des points, puis je pourrais mettre du monde sur de la carte. Fait que je pense que je vais aller faire un share. Et je vais aller justement faire un share de, euh, du writing. Ça, ça va être bénéfique pour moi. Alors, première chose, je me fais trois points. Donc, un, deux, trois points. Les deux qui sont là s'en vont ici. Ensuite, lui s'en va là. Et je ramasse la belle petite carte qui va s'en venir dans mon euh, dans mon euh, dans ma réserve personnelle d'invention. donc c'est comme ma troisième invention je ne sais plus où mettre mes cartes c'est l'enfer. ok troisième invention que j'ai euh, et étant donné que c'est moi qui a fait euh, donc je peux prendre ça ici donc on voit que ça c'est quatre points par type de cartes identiques. Donc, j'ai déjà quatre points pour la fin de partie. Donc, euh, pour chaque type d'invention identique, je me fais quatre points. Alors, je vais la ramasser, puis je vais la mettre sur mon plateau personnel. Et là, on voit ici qu'il n'y en a plus. Donc, les gens qui vont aller là, à partir de maintenant, ce ne sont que des points d'interrogation qui vont pouvoir gagner. Et, euh, et c'est tout pour ce qui est de mon action. Il n'y a pas de chaînage que je peux faire, encore une fois. Mais là, je pense que là, on va faire de la construction. Là, il faut que j'en fasse. J'ai pas le choix. On va essayer d'optimiser tout ça. Euh, bon, premièrement, est-ce que je fais de la construction? Oui. Fait que si je fais de la construction, ça veut dire que je dois baisser ça de 1. Euh, malheureusement, c'est peut-être moins bon, mais en tout cas, on verra. Euh, donc, ça, c'est un coût unique pour tout ça. Là, maintenant, qu'est-ce que je construis? Je vais construire ça. Donc, c'est le premier que je construis. Donc, je pense que... Et là, je peux le mettre et je vais faire, je fais immédiatement le, ce que je ramasse. OK? Comme par exemple, si je le mets au centre là, je me fais tout de suite, je remonte de 1 sur la piste. Ce qui serait quand même pas si mal, je pense. Donc, je pense que je vais faire ça. Donc, je vais le monter. Là, vous, je ne le montrerai pas à l'écran, mais je remonte de 1. Et là, le coût que ça va me coûter, c'est que ça va me coûter un spécialiste scientifique moins le nombre d'inventions que j'ai faites de cette couleur-là. J'en ai pas. Donc, ça, ça veut dire que je prends mon spécialiste-là et je le couche ici. Donc, il devient un spécialiste scientifique et il va demeurer scientifique jusqu'à la fin de sa vie. Je rappelle que j'ai le droit d'en construire deux. Donc, le deuxième que je vais construire, je pense que c'est lui. Et lui en le construisant, je vais aller le mettre là. Et Regardez bien, là. Ah non, c'est vrai, je peux plus, je peux pas. À moins que j'aille le mettre ici. Ok. Donc là, je vais aller le mettre là. Donc ça, ça veut dire que ça ici. Donc ça me coûte un. Regardez bien, ça me coûte à la base un spécialiste. Euh, culturel, plus un deuxième parce que j'étais adjacent à mon... Euh... Attendez, à moins que... Moi, ouais, que je décide de le mettre là, plutôt. OK, je vais le mettre ici. Je vais le mettre ici parce que ça, ça veut dire que ça me coûte un spécialiste culturel, mais là, je me gagne automatiquement en passant un citoyen qui devient un citoyen scientifique. Donc, je le mets là. Que je pourrais utiliser pour payer si j'en avais besoin. OK. Donc là, je le mets là. Et ça me coûte un citoyen, donc culturel. Mais parce que j'ai une invention, j'ai un, un, un rabais de 1. Donc 1 moins 1 ça fait 0. Ça ne me coûte rien pour le placer là. Et je viens de placer mes deux premières tuiles. Donc là, ça, ça veut dire qu'à partir de maintenant, les jetons qui sont là, ça va me coûter un citoyen de moins pour les mettre. Et celle-là, je peux faire cette action-là. À n'importe quel moment, à la fin de mon tour. Et là, je viens de faire mes quatre, euh, dans le fond, mes quatre euh, euh, actions. Ouais, mes, mes, quatre, mes quatre sections de mon, de mon action. OK. EFAISTOS maintenant. Alors, est-ce qu'il peut faire un sharing? Oui. Il peut. Non, il ne peut pas, parce qu'il y a déjà un, un pilier dans, dans le forum. Alors, est-ce qu'il peut faire un, euh, un mouvement? Ben oui, il va pouvoir le faire. Alors, il va s'en aller ici. Et ça va être en plus une action qui va pouvoir chaîner. Ah, le gentil carnement. Non seulement il va chaîner, mais il va faire beaucoup de choses à cause de ça. Bon, alors, je dois aller faire un petit tour sur, dans mon livret. Euh, je vais aller voir Ephaestos. Alors, le travel. Euh, je dois bouger Ephaestos dans la région. La prochaine région dans laquelle il y a un sage. Donc, il y a un sage justement ici. Il va mettre un citizen de son, donc un citoyen de son supply ici. Et il va bouger le sage. Donc, le sage, il va le mettre automatiquement sur son board. Okay? Donc, on va, ça va donner des points à la fin. Euh, il va gagner aussi un progrès qui, qui est égal à l'invention qu'il a. Là. Alors, c'est une, une économie. Donc, il va faire une invention, il va faire une. Un progrès économie 1. Alors, je vais prendre une tuile économique 1 que je vais mettre sur son plateau personnel. OK? Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est fait. Après ça, est-ce qu'il a, est -ce qu il y a une, une, une action de chaîne? ben oui, il y en a une. Donc, cette action-là, je vais le mettre sur son, sur son plateau. Et c'est écrit que si ce n'est pas du côté du 2 points, alors il va la tourner de côté. Mais il ne fera pas évidemment l'action qui est là-dessus. Il va faire la prochaine action. Qui est inscrit sur, euh, sur sa carte. S'il y avait eu des deux points, mais il aurait fait les deux points comme, comme moi, dans le fond. Alors, euh, voilà. Fait que ça, c'est fait pour lui. Mais là, il va faire son chain action. Et son chain action, c'est, si vous regardez comme il faut, sur sa carte, c'est Eureka. Bon, ben ça, c'est quelque chose qu'il ne fait pas souvent, mais qui va faire rouler les choses. Alors. C'est la même chose. Donc on va on va enlever les origines du langage, OK. Origines du langage que je vais mettre sur le côté du plateau. On va descendre toutes les autres qui sont là. Il va placer son agriculture juste ici. Et il va prendre celle qui est la plus haute, qui est Greek Fire, puis il va le mettre à sa place qui est juste là. Toujours en n'oubliant pas de mettre un personnage euh, par dessus. Donc il a fait avancer un peu les choses, comme on peut voir. Euh, donc, j'ignore le bénéfice. Euh Alors, c'est écrit Ephesus gains IP equal to the era of the milestone and adds a citizen to it. faut pas que j'oublie que ça, il va l'avancer à l'ère 4. Donc, il passe par-dessus nous autres puis s'en va directement se placer ici, complètement à droite. Fait que oui, c'est comme ça parce qu'il a, il a réussi à avancer sa technologie. Il va se faire 4 points. 1, 2, 3, 4, il est rendu à 17 points. Alors, euh, c'est ça, il est rendu à 4 points. Et euh, voilà, j'ai fait c'est son action parce qu'après ça, il n'y a plus de chaîne. Alors, je vais enlever cette petite, euh, cette petite action de chaîne. Et c'est euh, tout. Donc, c'est ce qui fait en sorte qu'on va maintenant jouer la dernière action de cette R3-là. Alors, notre ami s'en va là et il va encore faire une petite invention. Mais le petit coquin, lui, il va aller inventer les musical notes. Il fait beaucoup de choses comme ça, lui, aujourd'hui. Alors, il va gagner le, la tuile blanche numéro 7. Alors, la tuile blanche numéro 7 que je mets sur son plateau personnel. Et on va retourner ici la musical notation. Alors il fait il fait beaucoup beaucoup de, 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 de c'est moi qui qui tend à, à traîner un peu de la pâte à ce niveau là euh, puis là ben là c'est à mon tour oh, ok donc là je peux pas aller là ni là donc les deux seuls endroits que je peux aller c'est là puis là donc je peux faire le eurika ah. hmm. à moins que je fasse le mouvement, parce que le mouvement, ça me permettrait de faire également une invention si je voulais. Donc là, je ramasse mes deux chaînes là, que je mets sur mon plateau personnel. Ça pourrait marcher. Euh, ça pourrait-tu marcher? Mon but. Ah, mais ben oui, ça pourrait marcher. Ouais, OK. J'ai plusieurs possibilités parce que j'ai deux chaînes. OK. OK, on va faire quelque chose. Je prends mon pilier d'époque. Je le mets là. Malheureusement, le mettant là, ça donne automatiquement deux points. À mon ami. On va faire un mouvement. Donc là, on suit ça ici. Donc, premièrement, je me gagne. Une tuile euh, culturelle. Donc, je vais mettre du côté culture. Ça, c'est la première affaire. Là, je bouge un personnage de un espace. Euh... Il me reste du temps. Je pense que je vais bouger lui. Puis je vais aller faire un tour ici. Ah, je fais ça. Non, ce pas ça que je voulais faire. Non, je vais prendre lui, puis je vais l'envoyer ici. Je ah, veux -tu vraiment faire ça? Est-ce que c'est l'action que tu veux faire, Martin? Oui. Tu veux vraiment faire cette action-là? C'est ça que tu te poses comme question. Sauf que, là, si je regarde, est-ce qu'il aimerait ça que je place ça dans le, dans le numéro 4? Non, il ne veut pas que tu le mettes dans le numéro 4. C'est 1, 3, 5, 7. Vraiment... C'est parce que je veux aller là pour aller faire cette action là de chaîne qui serait un eureka, qui serait quand même cool parce que je pourrais faire une double patente. Ça serait quand même cool. Fait qu'on le fait tu On va le faire. Donc j'envoie un bonhomme là. Ok, j'envoie un bonhomme là. C'est fait. Ensuite, est-ce que je peux faire la chaîne Oui, parce que j'en ai un. Non, c'est pas ça, Martin, que tu veux faire. Tu vas envoyer ben voyons. Je vais envoyer un bonhomme là. J'en avais tu deux là ou j'en avais trois. Reprise vidéo. Bon, c'est ça, je suis correct. Alors, je mets ça là. En faisant ça là, je fais un Eureka. Et en faisant l'Eureka, en passant, je ramasse le sage que je vais mettre sur mon plateau personnel. OK? Puis ça, bien, je vais le tourner de côté parce qu'il y aura beaucoup de points à faire éventuellement. Bon. Euh, L'Eureka, ici. Donc là, ça, ça veut dire que je pousse le mining qui est juste ici, je le pousse à l'extérieur. Et Faïssas va prendre son bonhomme. Moi, il revient dans les, euh, les universitaires. C'est ça l'avantage de voir partir nos bonhommes. OK. Et le sailing va s'en venir maintenant ici en mode euh, commun pour tout le monde. Et moi, je pense que je vais y aller avec le crane. Parce que j'ai justement quelque chose que je peux faire avec ça. Alors, le crane. Et je vais mettre un bonhomme dessus. Et là, en prenant, en mettant mon bonhomme dessus, euh, j'avance maintenant parce que c'est la quatrième ère. Alors, je vais m'en aller ici. Alors, c'est ce qui fait en sorte que je vais pouvoir faire une autre action qui est de faire cette action là ici. C'est tu pas le fun Moi, je trouve ça le fun. Donc ça, ça veut dire que. Ça veut dire que je ne peux pas le faire. Ah, bravo, Martin, parce qu'en le mettant là, je ne peux pas le faire. Mais je peux le placer ailleurs, lui. Je peux faire une invention si je veux. Il où, Sailing? Ah, Sailing, il est là. Fait que je pourrais aller inventer ça ici. Donc, je, veux, je pense que je vais plutôt aller là dans l'invention. Et je vais aller inventer le Sailing. Est-ce que je peux le faire? Oui, parce que j'ai justement un spécialiste économique. Alors, je vais aller le placer là. En faisant l'invention. Faut pas que j'oublie que quand je fais une invention, je me gagne une belle tuile, euh, une belle tuile comme ça. Donc, je vais le mettre du bon côté. Et là, c'est un beau combo quand même. Alors, euh, je fais ça, je fais ça, j'ai mis là, et là, je retourne ça de côté. Alors, on a le lighthouse qui est là. Ouais. C'était pas tant ça que j'avais besoin. Mais si un jour, je, je finis par avoir des tuiles économiques, là. Euh, je vais me faire plein de points. C'est malade. Il faudrait vraiment que je m'en cherche des tuiles économiques. Bon. OK. Là, j'ai tout fait. Parce que là, j'ai fait... Est-ce que j'ai fait? Mais non, je n'avais pas besoin de faire deux chaînes. J'ai fait une seule chaîne, mais ça marche. OK. suis allé là. J'ai bougé. J'ai fait ma chaîne. J'ai ramassé ça. En faisant ma chaîne, j'ai fait le RECA. Le récom permettait de faire celle-là. Puis le, le, le faire l'invention. L'invention, j'ai plus d'autres chaînes possibles. OK. Donc là, je prends ça ici, puis je le remets de côté. Je viens de finir ma, ma, ma section 2. Sauf que là, en finissant ma section 2. ça, je ne me suis pas trompé non plus. Hein, c'est. Oui, c'est ça. OK. Mis, bon, en faisant la section 2, là, il faut que j'aille me chercher deux tuiles. Donc, on va commencer par aller prendre ma tuile culturelle. Euh, ma tuile culturelle. Bon, je vais aller voir c'est quoi exactement la 2 qui est là. Je suis capable de trouver. Donc, la tuile numéro 2. Qu'est-ce qu'elle veut dire, la tuile numéro 2? When you call specialists, you may call any number of specialists home from any number of map regions. Ok, quand je recall des spécialistes, recall, c'est ça ici. Ça pourrait peut-être être intéressant que je fasse ça parce que je vais peut-être en avoir besoin. Ok, fait que je vais mettre elle-là. Et ensuite... Ah oui, c'était ça que je voulais faire. C'est vrai, j'avais ça aussi que je pouvais peut-être faire. En faisant cette action-là, je pouvais mettre ma deuxième et j'aurais pu faire une autre invention. Mais bon, je vais garder pour une autre fois parce que c'est un one-time deal. OK? Donc là, je vais aller m'en choisir une autre. Ça peut pas... Je vous rappelle qu'on ne peut pas prendre les mêmes numéros. OK? C'est bien important. Fait je ne peux pas prendre un numéro 3. Euh... Euh, je pense que. Bon, je vais prendre mon numéro 6 qui me permet de faire un Innovate puis de faire un. Euh, de présenter une idée. OK? Bon. Est-ce que. Est-ce que, est que je construis? Est-ce que je peux construire? Ah, je n'ai pas de temps. Ouais, je pourrais peut-être construire. Ah, voyons, voyons on, on est wild. Donc, ça me coûte une influence, donc je l'ai descendue. OK? Je peux en construire jusqu'à trois cette fois-ci. Je pourrais les construire, les trois. Pas sûr que je vais être capable. Mais c'est sûr et certain que celle-là. j'ai compris qu'il faut pas mal toutes les, les garder pas mal collées. Donc, celle-là, si je vais la placer là, ça me coûte 1 plus 1, 2. Mais si je vais là, ça me coûte moins 2. Pour la mettre, j'ai même moins 3. Fait que je pourrais la mettre ici. Celle-là, je la mets là. OK? C'est pas pire. Celle-là. J'ai pas, pas de moins. Donc, c'est sûr que si je la place là, ça me coûte 2. Mais si je la place là, ça me coûte rien. Ici. Donc, on va la placer là. OK? Pourquoi, pourquoi ça me coûte rien? Parce que c'est 1 plus 1 moins 2. Parce que j'ai un, un bonus. Ça me coûte moins 2 personnage et, et je peux on peut se rendre jusqu'à zéro donc ça veut dire que ça ne me coûte rien de placer celui-là et celui-là ça me coûte deux spécialistes de n'importe quel type pour la placer et honnêtement pour l'instant puis je peux en construire trois puis suis à l'air quatre et pour l'instant je vous dirais que si je la mets là ça me coûte deux je peux pas avoir puis là, en passant je peux décider lui euh, pour payer celui-là, je peux décider de le mettre n'importe où. Donc, je peux décider qu'il va devenir un économiste et je, et je, je me défais de mon deuxième qui est là pour le mettre là et c'est tout. Ok, ça me coûte pas plus que ça. Je l'ai mis là, mais ça me donne pas d'avantage par contre. Mais je peux pas le mettre ailleurs parce que j'ai pas d'autres éléments. Ok, on va garder ça comme ça. Okay, j'ai fait mes trois constructions, c'est quand même pas si pire. ça m'a pas coûté si cher que ça. Je pense que j'ai tout fait de façon legit. Ok, c'est très bien, très très bien. Euh, et Face qui va jouer pour la dernière fois, le, le, le dernier. Euh, donc, est-ce qu'il peut faire, est-ce qu'il peut présenter une idée, non? Est-ce qu'il peut euh, donc mettre un diplomate, non? Parce que c'est là qui est-ce qu'il peut euh, faire cette, cette action-là? Oui, il peut le faire. Donc, on va aller euh, ici. Donc, il peut faire ça. Donc, on déplace son jeton. Alors, la première région dans laquelle il peut mettre son jeton. Donc là, il est à 1. Il faut que je le déplace. J'ai pas le choix. Donc, il va aller à 2. Est-ce qu'il peut mettre son jeton dans la région Oui. Euh. S'il y a un. Il n'y a pas besoin d'avoir de, de personnes dans la région pour pouvoir le mettre. S'il si y en avait un, je l'aurais ramené un de ses citoyens. Mais donc, j'ai pas besoin de ramener un citoyen. Il n'y en a pas, mais c'est pas grave, il peut mettre pareil son jeton. Donc, il va mettre le jeton juste ici. OK. Euh, puis, c'est écrit dessus. Oh mon Dieu, il y a des affaires bizarres qui se passent avec mon, avec mon, mon programme à côté de moi. Euh, en espérant que ça continue toujours de s'enregistrer. <laughs> Je vais être sûr. Then, euh, ensuite, il va faire des scores. Il va, il va se faire un grand total de 6 points. Ah, ça, j'ai ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pourquoi 6 points Parce qu'il y a 6 points d'inscrits ici. Bon. C'est la vie. C'est comme ça. Place one of his. Uh... C'est ça qui est écrit. Then, if he still has a chain action, alors est-ce qu'il peut faire son chain action? Oui, il peut faire son chain action. Et son chain action, écoute, il va en faire des chain actions. Il va faire un innovate. Alors, le prochain, c'est qu'il va tenter, donc, de faire un innovate. Alors, il va s'en aller dans la région 3. Est-ce qu'il peut faire un innovate? Non. Parce qu'il n'a pas, euh, pas été inventé. Il peut -il faire un innovate, là, non. Il peut faire un innovate là. Oui, il peut en faire un innovate. Alors, il va placer un de ses bonhommes juste ici. Il ne prendra pas euh, davantage. Alors, il va avoir fait un innovate là. Et est-ce qu'il peut encore faire une chaîne? Oui. La première chaîne, c'est de faire un invent. Alors, on va regarder. Euh, ça va être difficile, mais ici, est-ce qu'il peut inventer? Non, il y a déjà quelqu'un qui a inventé. Ici, il y a déjà quelqu'un qui a inventé. Ici, il y a déjà quelqu'un dessus. Ici, il y a déjà quelqu'un dessus. Mais là, il y a personne ici. Est-ce que le copper smelting se retrouve sur le plateau? Oui, il est juste là. Alors, il va placer un de ces bonhommes là. Il va se faire, donc, un numéro 3 de type, euh, science. Alors, il n'y en a pas. Ah oh non, c'est ici. Il faut que je regarde. Un numéro 3 de type science, il n'y en a pas du tout. Donc, il va aller chercher la tuile numéro 3 de science. Il va se la mettre ici. Et il va tourner la carte. Alors, ça. ça, ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur le plateau. Mais là, il a fait ses deux chaînes. Alors, c'est pas si pire. Il a fait, Il a fait quand même pas mal d'actions, je trouve. Bon. OK. Je ne suis quand même pas. Je suis pas si loin, mais en même temps, je ne suis pas si proche. Hein? Ce n'est pas, pas la meilleure boîte. là, on arrive en plein milieu. Alors, on a fini l'air 3. Donc là, je reprends mon automa. On y va dans l'ordre. Alors, je reprends. Je commence par prendre les trois. Euh, les trois cartes de, de mon ami Ephaïstas. Euh, là, je vous dirais que je ne suis pas totalement satisfait de ma partie, mais les choses avancent. Peut-être pas aussi vite que j'aimerais, mais en tout cas, à tout le moins, on est en train de jouer. Je ne suis pas sûr que je vais faire beaucoup de points en fin de partie de la manière que c'est parti là, mais en tout cas. Euh, à la fin de l'Era 2, bon, ok, le chain action, ça, je ne l'ai pas fait. Alors, Kronos va avancer son bonhomme. Au prochain endroit. Alors, ça tombe bien. Il peut le mettre. Tantôt, je métais trompé? Je me trompe tout le temps entre le 1 et le 2 pour. Entre peu importe lui. C'est là qu'il va aller le placer. Puis il va se faire un beau gros 16 points, encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je ne me souviens pas ici si l'autre est faïstos quand il y a qui avait fait son action si c'était là euh, qui pouvait aller mais en tout cas, bref, c'est pas grave ça, ça va revenir un peu au même de toute façon euh, ça c'est fait, puis après ça euh, on va prendre ici le milestone alors le copper smelting qui va euh, s'en aller qui va être remplacé, donc lui il retourne dans son, euh, dans, son dans sa réserve, alors on va tourner ça ici alors là, Iron va se ramasser là. Il va ramasser le dernier qui reste, qui est le papier, pour remettre un bonhomme dessus. Il va aller se placer dans la partie la plus à droite, ici, ce qui changera rien. Et on va placer maintenant les E. Bon, vous les voyez pas, là, je vais vous les montrer. Alors on va placer les E ici, qui sont télégraphe, électricité, vaccination, et euh, combustion interne. Okay. Et là, il n'y en a pas d'autres. Il n'y en avait pas d'autres. Fait que lui, il va rester là. OK? Alors euh, là, ce que je comprends bien, c'est que là, c'est à mon tour. OK, donc dans l'ordre, on ajuste l'ordre de tour. Donc, l'ordre de tour, c'est euh, star qui va donner premier joueur. Et je vais être rendu dernier joueur, malheureusement. C'est peut-être quelque chose que je pourrais changer à la fin. On verra bien. Je dois ajuster maintenant ça ici, mais je n'ai pas besoin d'ajuster parce que je suis au niveau 3, euh, au niveau de l'influence. Euh, donc, tous les spécialistes maintenant reviennent. Donc, donc, je vais pouvoir les réutiliser. Ça, c'est la bonne chose. On ramène les piliers de saison. Donc, on ramène les piliers de saison. Ensuite, les sages retournent sur le plateau. Puis moi, ben je vais me prendre un magnifique euh, donc un magnifique universitaire. Alors que pour ce qui est de mon ami et euh, Hephaistos, qui va le replacer ici, il va se faire deux points. Bon, lui, il commence à s'avancer pas pire. Là. Euh, puis après ça, le dernier élément qui reste à faire, c'est toutes les euh, cartes d'air 3 donc celle-ci. Je l'enlève de la partie. OK. Et, euh, et, est la, et donc, il faut que je, je, je tasse ça ici. OK. Et là, ensuite de ça, les, toutes les R3 également qui sont sur mon plateau, je les enlève de la partie et je les change. Alors, je peux, je peux m'en prendre un 4. Alors, je pense que je vais y aller avec. Ah non, pas lui, parce que j'en ai plein. OK, je pense que je vais y aller avec celui-là. Je vais y aller avec le windmill. Alors que, que, qui va avec le crane. Alors, je peux tasser ça ici pour mettre le numéro 4. Et ensuite, on tourne ça ici. Et c'est comme ça que va donc se terminer pour l'instant euh, l'épisode numéro 1 donc, de cette partie d'invention. Je suis euh, légèrement épuisé, je, te, je, je vais vous dire. Je vous dis bien légèrement épuisé. Euh, c'est très demandant de jouer à ce jeu-là. J'ai beaucoup de plaisir. Et là, ce que je trouve le fun, c'est que sur le plateau, il y a vraiment beaucoup d'inventions. Et la majorité de toutes ces inventions-là ont été inventées. Donc, euh, il va y avoir la possibilité d'avoir plein de sharing qui va se faire et, et des points qui vont pouvoir également se faire. Sauf que je trouve que mon... Mon moteur de combo n'a pas encore été vraiment très utilisé. Ça va me prendre beaucoup, beaucoup de parties, je pense, pour être très, très à l'aise avec ce jeu-là. Mais j'ai du fun et j'ai du plaisir et j'espère que vous avez du plaisir à me regarder. Euh, je le souhaite vraiment beaucoup. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez voir mon Facebook ainsi que mon Discord. Allez faire également un petit tour chez mon, mon commentaire boutique de jeux la pioche au www.boutique-la-pioche.com. Allez faire également un petit tour sur ma campagne Patreon et d'ici la prochaine fois. Mais amusez-vous avec vos jeux de société et nous, on va se revoir très bientôt. Allez, je vous dis à Bye, bye tout le monde.